Ça va? J'ai juste un peu mal au ventre. Come è nato il personaggio di Lena e quello di Sofia? Sono dei personaggi. Sofia è nata dalla contrapposizione, dall'idea di una contrapposizione fra due personaggi femminili nati da contesti diversi, oppure avevi uno dei due in mente prima dell'altro? Non, j'avais dès le départ les deux personnages en tête et il fallait qu'ils soient les deux versants du Maroc en fait, parce qu'il fallait qu'elles soient tellement différentes l'une de l'autre qu'elles puissent en fait révéler le dysfonctionnement en gros de ce Maroc à double vitesse en quelque sorte, où la liberté se calcule en fonction de l'argent et de la situation économique. Perché la scelta di tenere fuori campo Jean-Luc, il personaggio di Jean-Luc? Parce qu'en fait, pour moi, le fait de ne pas le montrer, c'est un moyen d'asseoir son pouvoir et d'en faire une espèce de figure toute puissante, de le déifier en quelque sorte, d'en faire une espèce de dieu qui tient toutes les manettes. Voilà. Et pour moi, le fait de ne pas le montrer et de le déifier, c'est aussi une critique du post-colonialisme et de montrer à quel point encore aujourd'hui les Français sont encore très présents dans le système économique et social du Maroc. Pensi che ogni battaglia individuale per raggiungere alcuni diritti, alcuni obiettivi nella società vada fatta dalle persone direttamente interessate che devono quindi in qualche modo combattere per quello, oppure che altre persone, altre classi di persone possano aiutare e supportare le battaglie personali di altri? Moi je pense que c'est l'alliance des deux, c'est-à-dire il faut l'instinct et on a besoin de la colère aussi des classes qui sont déshéritées et qui vivent l'injustice au plus profond d'eux-mêmes dans leurs veines, mais il faut aussi l'argent et l'investissement des privilégiés. Et c'est que en alliant les deux que c'est possible. Mais bon, lève-toi tôt le matin pour que ça arrive, hein, franchement. Les intellectuels de la société peuvent aussi faire beaucoup, mais souvent ils font partie des classes privilégiées et il faut être capable d'abandonner un peu ses privilèges, quoi. Nel tuo film, come in molti film di Faraday, la società è descritta come una rete di relazioni fra persone. L'individuo non è mai veramente libero perché è connesso non soltanto a un sistema di regole, ma anche ad altre persone. Pensi sia possibile essere liberi da tutti questi collegamenti nella società, oppure bisogna scendere comunque sempre a compromessi? Pour moi, Lena, elle est plutôt libre. Pour moi, Lena, c'est la seule qui est à peu près libre. Mais cette liberté, elle a été gagnée, on comprend à la fin du film, elle a été gagnée par le sacrifice de sa mère, qui a fait un mariage, pas d'amour, mais de raison, pour pouvoir offrir cette liberté-là à sa fille. Donc en fait, encore une fois, c'est ça que je raconte dans le film, c'est que la liberté, elle se calcule en fonction des moyens que vous avez. Si on n'a pas d'argent, on n'est pas libre aujourd'hui. On est dans un système capitaliste qui est biaisé de base. Donc sans argent, pas de liberté. L'amour de la première fois que je l'ai vu dans les films. بالنسبه ليا الحب كيجي مع الوقت.